maître, en fait, fut le grand ténor français d'origine polonaise, Marian Porewski, né en 1910, qui a joué et interprété tout le répertoire classique après la guerre, diffusé et enseigné sa technique vocale si particulière, Louis pourra vous en parler, et qui fut un grand spécialiste du répertoire wagnérien. Il est décédé en 2008, à l'âge de 98 ans, actif jusqu'à cet âge-là, et repose ici à Saint-Jean-d'Arc, au cimetière derrière. Dominika Porewska-Kwaśnik, ici présente, va se produire devant vous, avec ses amis, puis son disciple d'abord, puis sa très jeune femme. Subjuguée par son maître, elle est devenue soprano dramatique, puis professeure d'université en musicologie en France, puis en Pologne. Aujourd'hui, donc, le 10e hommage pour ce concert sera accompagné par Raphaël Schoen, qui nous a fait une introduction, organiste et professeur de piano également à Poitiers. Raphaël vient régulièrement nous accompagner, et Philippe Rosenthal, qui fut 10 ans élève de Marian Porewski. Il est ténor et a fréquemment accompagné l'ensemble vocal au cours de ses tournées, toutes ces années passées. Voilà. Le concert va débuter avec Raphaël par une pièce à l'ordre, une toccata, la toccata W165 de Buxtehude. Dominique prendra ensuite la parole pour une lecture sur le thème musique et signification. Voilà, ce sera parlé pour commencer. Je peux vous dire aussi quelques mots de Buxtehude. Né en 1637, mort en 1707, donc c'est un musicien, organiste, compositeur allemand, ascendance danoise, établi à Lübeck, une des villes les plus actives sur le plan musical dans son temps. C'est l'un des musiciens les plus reconnus, et il a entretenu une fructueuse amitié musicale, attiré de nombreux élèves, notamment Nicolas Bruns et sans doute Jean-Sébastien Bach. Voilà. Donc Raphaël, c'est à toi. Dominique présentera ensuite, je pense, les morceaux et quelques changements dans l'ordre du programme, mais ce n'est pas très grave. Voilà, bon concert à tous. Thank you.
La musique, au-delà de sa beauté, a, comme toute œuvre de l'esprit, une signification supérieure à son corps sonore. C'est grâce à cela qu'elle se grave dans la mémoire des siècles indélébilement. Chercher l'émotion et non pas la pensée est une erreur, comme admirer l'esthétique de cette abbatiale sans y voir le créateur. La signification est l'ultime forme de l'œuvre, son aura, son âme. Ce qui sortit d'elle demeure son éternité. La clé de voûte de notre concert sera un extrait de l'opéra La Passion d'Albert Dupuy, créé en 1916 pendant la Première Guerre mondiale à Monaco, puis repris à la Monnaie de Bruxelles et enfin recréé en France, notamment en 1951 à l'Opéra de Lille. Nous y avons choisi l'essentiel, la dernière scène, où Jésus distribue à ses apôtres le pain et le vin. Le sens ici est évident, mais l'extraordinaire lumière qui vient de ce tableau, d'une grande pureté et d'une grande simplicité musicale, est unique. Jésus est entouré d'une auréole sublime immaculée, qu'aucun élément venu ou à venir ne trouble ni ne scelle. C'est la signification de cet extrait et de tout l'opéra, l'invincible lumière du Christ qui triomphe et s'élève droit vers le Créateur. Message profond en plein désarroi humain, hier ou aujourd'hui. Je vous présente quelques œuvres, Guillaume présentera les autres. De profundis clamavi ad te domine, du fond de la vigne je t'invoque, ô Éternel, le psaume 130, dans la tradition hébraïque, chant que l'on chante près de la tombe et très souvent a cappella. J'ai pleuré en rêve, ich habe im Traum geweint, nous disent les amours du poète Dichterliebe de Schumann. Je veux laisser mon âme s'exhaler, ich will meine Seele danken, poème Heinrich Heine sur la musique de Robert Schumann. Et le petit et naïf Leiermann, le joueur de vielle, vieil homme aux doigts jolis, qui conclut le voyage d'hiver Winterreise de Franz Schubert. Ce voyage initiatique à travers ce monde est bientôt hors de lui. Schubert a 30 ans et va mourir une année après Beethoven. Tout cela n'est pas gai, et cependant, comme il est doux de parler à son âme et d'oublier tout l'inutile, le temporaire, l'imparfait, serait-ce la signification suprême de la musique, sa force, sa grandeur, sa vérité. Par Philippe Rosenstock, maintenant, Ich will meine Seele tauschen. Thank you.
Bravo.
Oh!
Le joueur de Vienne qui était Terraïs, un voyage d'hiver. Yeah.
Voilà, Wasserflut. Comment ça se traduit, Wasserflut? Le flux de l'eau. Le flux de l'eau, on va dire. Le voyage d'hiver, le voyage initiatique de Robert Schumann sur les paroles de Müller, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Demandez pas trop, c'est très bien comme ça. C'est très chaud. Tu vois?
partager. Voilà, c'était le but de cet après-midi. Et je pense qu'on est tous très heureux. Merci Guillaume. C'est un peu court, vous êtes proche toujours sur ma femme. Donc merci. Bonne soirée.